Tu m'as flairé bien sûr. Toujours. Toujours bien parti. Bon, on va filmer. La réalité, c'est que tout le monde a assisté. C'est mignon. C'est gentil. C'est le joueur. Le pasteur est là. Comment tu vas? Allô, bien, toi? Ah, mon Dieu. Je suis choquée. Je suis choquée. C'est mignon. C'est gentil. C'est le joueur. Je m'appelle Cynthia Kifuka. Je viens éclaircir ce petit malentendu qui se passe sur les réseaux sociaux actuellement. Beaucoup de choses se racontent. Hier, c'était mon anniversaire. J'ai été surprise par un cadeau d'une valeur inestimable. Par ailleurs, je n'ai pas pu accepter venant d'une personne que j'estime beaucoup. Et je tiens à vous rappeler que je suis en couple avec quelqu'un que je respecte énormément. Il n'y a pas eu de demande en mariage. Ok? Il n'y a pas eu de demande en mariage ou quoi que ce soit. Vraiment, les réseaux sociaux ne sont pas faits pour nous servir ou inventer des choses ou quoi que ce soit, non. Et rien de tout ça n'est vrai. J'ai juste de comprendre ça. Merci. Ne jouez pas avec les sentiments des gens. Est-ce que je t'ai forcé pour m'aimer? Est-ce que moi, je t'ai écrit tous les messages pour te dire reste avec moi? Si comment tu peux avoir la capacité sur Internet? Tu sais que ta sœur m'appelle pour me dire que tu vas venir voir nos parents quand? C'est moi qui ai appelé ta sœur pour lui demander ça. Vous voulez blaguer avec moi, vous et votre sœur? Je vous ai rien fait de mal. Tu me demandes quelque chose, nous sommes dans une relation. Tu viens me demander pardon ici la nuit, le samedi. Tu étais en boîte de nuit avec ton ex. Tu viens me dire que vous n'êtes plus ensemble avec lui. Oh, c'est quelqu'un d'autre qui l'a invité. Et aujourd'hui, tu écris, je suis avec quelqu'un d'autre dans le couple. Pourquoi être méchant ainsi? Vous pensez que vous contrôlez le monde? Parce que tu as 100 et quelques abonnés sur Instagram et tu veux jouer avec moi. 100 et quelques abonnés, c'est quoi? Tu veux salir ma réputation, Cynthia. Dieu est vivant, est vivant. Écoute, je te donne quelques temps. Répare ce que tu as fait. Tu me donneras raison. Ce que tu fais, c'est très méchant. Quand tu m'appelais, chérie, j'ai besoin de telle chose, tu parlais ça à ton ami? Tu parlais ça à ton ami? Tu sais que moi, j'ai décidé de rompre cette relation la fois passée? Tu parlais ça à ton ami? Non, je ne suis pas méchant. Pourquoi tu peux... Moi, tu me traites comme ça. Là, pour me dire que non, le nom de la famille, les vidéos que vous mettez sur l'Internet, là, où vous vous affichez avec les hommes, là, vos parents ne voient pas ça? Vous voulez blaguer avec moi? Mes parents. Moi, je n'ai pas de parents. Vous savez combien de parents que moi, j'ai? Ma mère et mon père m'ont obligé, prophète. Je vais te montrer combien de gens, si c'est d'Afidou et les autres, combien ils m'insultent moi sur Internet. Moi, ils m'insultent sur Internet. Ils m'envoient des vidéos en train de m'insulter. Au fait, j'ai fait ça par obligation de mes parents. Tu sais bien que de nature comme ça, je ne peux pas faire un truc comme ça. Mais pourquoi avant de le faire, tu ne m'as pas dit? Mais je t'ai dit, ma soeur est venue te voir. Moi, je t'ai écrit. Est-ce que toi, tu m'as répondu? Moi, je t'ai écrit, tu m'as répondu? J'étais surtout... comment je me sens. Cynthia, pourquoi tu ne pouvais pas dire seulement aux gens que non, désolé pour la vidéo, ce n'était pas les mariages, ce n'était pas les fiançailles, c'était juste un cadeau qu'on m'a offert. Okay. Mais tu ne pouvais pas t'arrêter là. Il fallait que tu dises aux gens que c'est un cadeau qu'on m'a offert, mais j'ai refusé les cadeaux. Mais là, parce que je suis en couple avec quelqu'un que j'aime. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Que moi, tu venais blague, que je jouais avec mes sentiments. C'est que tu m'écrivais, c'était 10 mensonges. C'est que tu peux... Cynthia, pourquoi tu peux être comme ça? Prophète, ce n'est pas grave. Je veux démentir tout ça. Aujourd'hui, je suis célibataire, ce n'est pas grave. J'ai démenti tout ça. Aujourd'hui, toi, tu es célibataire. Toi, tu as dit là-bas que tu es en couple, non? Prophète, j'ai dit ça pour sauver
mon honneur et pour nettoyer toutes les personnes que j'avais salies. Ah, c'est que moi, tu préfères me sacrifier, moi, pour nettoyer les autres. Je n'étais pas sacrifiée. Ma mère... C'est un cadeau qu'on m'a offert, mais j'ai refusé les cadeaux. Mais là, parce que je suis en couple avec quelqu'un que j'aime. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Que moi, tu venais blaguer, jouer avec mes sentiments. C'est que tu m'écrivais, c'était 10 mensonges. C'est que fait, tu peux... Cynthia, pourquoi tu peux être comme ça? Prophète, ce n'est pas grave. Je veux démentir tout ça. Aujourd'hui, je suis célibataire, ce n'est pas grave. J'ai démenti tout ça. Aujourd'hui, toi, tu es célibataire. Toi, tu as dit là-bas que tu es en couple, non? Prophète, j'ai dit ça pour sauver mon honneur et pour nettoyer toutes les personnes que j'avais salies. Ah, c'est que moi, tu préfères... Ne faites pas la vidéo. Aujourd'hui, vous me faites passer des normes qui... Elle m'a dit qui... C'est tout ce que je sais. Parce que je ne pouvais même pas l'imaginer ce qu'elle allait faire. Quand je lui pose la question, mais pourquoi tu as dit que tu es en couple? Elle dit que c'est maman. Quand qu'il est obligé de dire... J'ai dit, mais ça n'a pas de sens. Pour qui tout le monde va passer maintenant? Ça n'a pas... Mais je crois qu'il y aura un message de maman là-bas. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? La maman d'Afidou est allée au bureau de ma mère. Elle est allée au bureau de ma mère avec les vidéos et tout. Je ne sais pas ce qu'il a pris à cette femme. En tout cas, il paraît qu'elle a déplacé les mots. Il paraît qu'elle a vraiment déplacé les mots. Imagine que c'est un lieu de travail. Vous êtes certes amis, mais il y a des façons de se contrôler. Elle est allée au-delà. Alors, maman, à son tour, ce qui est bien, c'est qu'on avait déjà dit à maman qu'il y a un monsieur et tout, mais maman n'avait pas accès. Parce que c'est un homme de Dieu. Les parents sont toujours comme ça. Et Afidou, comme c'est l'enfant de la meilleure amie de maman, donc c'est normal que lui, il passait en premier chez mes parents. Tu comprends un peu, je ne sais pas si tu vois un peu l'image. Non, je comprends très bien. Il a dit, maman, Cynthia Boy, Afidou, parce qu'à trois fois, il fallait abattre Afidou. Afidou, je l'ai mis sous toute la relation et fini. La maman d'Afidou vient, quoi, leur enfant n'a jamais dit que la relation était finie. Tu vois un peu? Ça fait plus de deux mois que la relation est finie. L'enfant n'a jamais dit que la relation était finie. Sa maman est venue, elle a fait un scandale. Maman a appelé Cynthia. Elle a râlé. Je ne sais pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé pour que Cynthia prenne le temps. Tu m'as fleur bien sûr. Toujours bien parti. Hier, c'était mon anniversaire. J'ai été surprise par un cadeau d'une valeur inestimable. Par ailleurs, je n'ai pas pu accepter venant d'une personne que j'estime beaucoup. Et je tiens à vous rappeler que je suis en couple avec quelqu'un que je respecte énormément. Il n'y a pas eu de demande en mariage. Ok, il n'y a pas eu de demande en mariage ou quoi que ce soit. Vraiment, les réseaux sociaux ne sont pas faits pour nous servir ou inventer des choses, quoi que ce soit, non. Et rien de tout ça n'est vrai. J'ai juste de comprendre ça, merci. Ne jouez pas avec les sentiments des gens. Est-ce que j'étais forcé pour m'aimer? Est-ce que moi, je t'ai écrit tous les messages pour te dire, reste avec moi? Comment tu peux avoir la capacité sur Internet? Tu sais que ta sœur m'appelle pour me dire que tu vas venir voir nos parents quand? C'est moi qui ai appelé ta sœur pour lui demander ça. Vous voulez blaguer avec moi, vous et votre sœur? Je vous ai rien fait de mal. Tu me demandes quelque chose, nous sommes dans une relation. Tu viens me demander pardon ici la nuit, le samedi. Tu es en boîte de nuit avec ton ex. Tu viens me dire que vous n'êtes plus ensemble avec lui. Oh, c'est quelqu'un d'autre qui l'a invité. Et aujourd'hui, tu écris, je suis avec quelqu'un d'autre dans le couple.
Pourquoi être méchant ainsi? Vous pensez que vous contrôlez le monde parce que tu as 100 et quelques abonnés sur Instagram et tu veux jouer avec moi. 100 et quelques abonnés, c'est quoi? Pour salir la... Tu veux salir ma réputation. Si tu as... Dieu est vivant. Est vivant. Écoute, je te donne quelques temps. Oh, répare ce que tu as fait. Tu me donneras raison. Ce que tu fais, c'est très méchant. Quand tu m'appelais, chérie, j'ai besoin de telle chose, tu parlais ça à ton ami? Tu parlais ça à ton ami, tu sais que moi j'ai décidé de rompre cette relation la fois passée. Tu parlais ça à ton ami? Non, je ne suis pas méchant, pourquoi tu peux... Moi, tu me traites comme ça. Là, pour me dire que non, le nom de la famille, les vidéos que vous mettez sur l'internet là, où vous vous affichez avec les hommes là, vos parents ne voient pas ça? Vous voulez blaguer avec moi? Mes parents. Moi, je n'ai pas de parents. Vous savez combien de parents que moi j'ai? Ma mère et mon père m'ont obligé, prophète. Je vais te montrer combien de gens qui c'est d'Afidou et les autres, combien ils m'insultent moi sur internet. Moi, ils m'insultent sur internet. Ils m'envoient des vidéos en train de m'insulter. Prophète, j'ai fait ça par obligation de mes parents. Tu sais bien que de nature comme ça, je ne peux pas faire un truc comme ça. Mais pourquoi avant de le faire, tu ne m'as pas dit? Mais je t'ai dit, ma soeur est venue te voir. Moi, je t'ai écrit. Est-ce que toi, tu m'as répondu? Moi, je t'ai écrit, tu m'as répondu? J'étais surtout... Pense comment je me sens. Cynthia, pourquoi tu ne pouvais pas dire seulement aux gens que non, désolé pour la vidéo, ce n'était pas les mariages, ce n'était pas les fiançailles, c'était juste un cadeau qu'on m'a offert. Okay. Mais tu ne pouvais pas t'arrêter là. Il fallait que tu dises aux gens que c'est un cadeau qu'on m'a offert, mais j'ai refusé les cadeaux. Mais là, parce que je suis en couple avec quelqu'un que j'aime. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Que moi, tu venais blaguer, que je jouais avec mes sentiments. C'est que tu m'écrivais, c'était 10 mensonges. C'est que tu... Cynthia, pourquoi tu peux être comme ça? Prophète, ce n'est pas grave. Je veux démentir tout ça. Aujourd'hui, je suis célibataire. Ce n'est pas grave. J'ai démenti. Aujourd'hui, toi, tu es célibataire. Toi, tu as dit là-bas que tu es en couple, non? Prophète, j'ai dit ça pour sauver mon honneur et pour nettoyer toutes les personnes que j'avais salies. Ah, c'est que moi, tu préfères me sacrifier, moi, pour nettoyer les autres. Je n'étais pas sacrifiée. Ma mère... C'est un cadeau qu'on m'a offert, mais j'ai refusé les cadeaux. Mais là, parce que je suis en couple avec quelqu'un que j'aime. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Que moi, tu venais blaguer, jouer avec mes sentiments. C'est que tu m'écrivais, c'était 10 mensonges. C'est que fait, tu peux... Cynthia, pourquoi tu peux être comme ça? Prophète, ce n'est pas grave. Je veux démentir tout ça. Aujourd'hui, je suis célibataire. Ce n'est pas grave. J'ai démenti. Aujourd'hui, toi, tu es célibataire. Toi, tu as dit là-bas que tu es en couple, non? Prophète, j'ai dit ça pour sauver mon honneur et pour nettoyer toutes les personnes que j'avais salies. Ah, c'est que moi, tu préfères... Ne faites pas la vidéo. Aujourd'hui, vous me faites passer d'un homme qui...